Nice pour accueillir la caravane européenne des sans-papiers qui a fait tout d'abord la visite d'un certain nombre de pays européens, notamment la France, la Belgique, l'Italie, avant d'arriver à Gênes. Et ils ont pris le bateau et on les accueille, on les attend. On espère qu'ils pourront accéder au territoire tunisien. Nous sommes le 15 sans-papiers, ceux qui ne sont pas les papiers. On a le soutien, à peu près, on est 38 personnes. Plus avec les Italiens. Voilà, il y a les Italiens qui sont avec nous. Voilà, il y a les Belges qui sont avec nous. Même les Allemands, ils sont là, mais on ne sont pas encore vus encore. Mais ils sont tous avec nous, quoi. Vraiment, on est très contents. Depuis, on a commencé le forum le 18 mars. On est passé par la Lille. Valence, c'est une ville française. Bon, voilà, ça a été très bien là-bas. On a bien réussi la mairie. Ils nous disent qu'ils vont nous suivre jusqu'au bout, quoi. Voilà, après, on est quitté, on est parti en Belgique pour avoir le Frontex à Belgique. Mais ils ne sont pas nous montrer, quoi. Mais en tout cas, ça a été très bien. On a fait un bon manœuvre. Après, on est retourné, on est venu à Paris. Et voilà qu'on a passé la nuit à la mairie de Paris 13e qui nous donne un lit à dormir. Et après, à l'endemain matin, on a pris le chemin, on est arrivé à... comment ça s'appelle, les villes qu'on est venu, là, Valence. Bon, après la Valence, on a fait une manif là-bas, vers la mairie. Et voilà, après on a quitté Valence, on est venu à une ville française à côté qui est Samsel. Mm-hmm. On a bien réussi, la mairie, le venir, toute la ville, franchement, ils nous ont bien accueillis. Ça a été très bien, quoi. Et après on est quitté là-bas, on est revenu en Italie, quoi. È la tappa italiana, noi come associazione Arci Todo Cambia, un circolo di migranti ed italiani, li abbiamo accolti, sono stati da noi il 22, venerdì, e è stato organizzato un evento pubblico con loro per raccontare appunto la loro esperienza e soprattutto per metterli in contatto con le associazioni di migranti che ci sono anche a Milano e che hanno il problema dei migranti senza documenti. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les émigrés. Solidarité avec les émigrés. Dans tout le monde entier. Dei migranti verso la Tunisia, però fortunatamente si è riusciti comunque a risolvere tutto, per cui ora attendiamo loro e speriamo anche con loro poter costruire questa Assemblea Mondiale dei Migranti che ci sarà il 29 marzo, che è un momento in cui stiamo cercando di costruire una rete a livello internazionale. Symbolique de cette caravane, c'est justement de poser le problème de la liberté de circulation et d'installation à travers le monde. Et notamment pour le pourtour méditerranéen, c'est des immigrés qui sont installés en Europe et qui revendiquent concrètement la question de la liberté de circulation. Et vraiment, on a quelque chose à dire, parce qu'il y en a assez. Et nos frères qui sont morts dans ces mers-là, ça ne finit pas. Ils vont dire 300 000, 400 000, c'est plus. Ce que tu vois. Bon, vraiment, il faut que les gens comprennent, quoi. Vraiment, le monde, ça change, quoi. Il ouvre toutes les frontières, on n'a plus besoin. Quand un Africain qui va en Europe, il commence à demander le visa, on a marre tout ça. Si un Européen vient en Afrique, on ne demande rien, on laisse passer. Mais pourquoi pas nous, Africains? Bon, voilà, on souhaitait vraiment cette message qu'on avait pour lancer nos dirigeants. Il faut que ça soit, on souhaite que cette message soit passée, quoi. Un viaggio simbolico per oltrepassare le frontiere, un viaggio simbolico per dire alla gente che noi possiamo e dobbiamo circolare liberamente. Aussi, on a besoin de vous, quoi. Voilà. Bon, si vous voyez, nous, on est sortis, on sait que vous êtes derrière nous. Bon, vraiment, la lutte se continue, il faut qu'on donne la main, on se batte ensemble, on va réussir. Noi crediamo che per revertire quello dobbiamo unirci. Que le monde bouge partout maintenant, ça bouge partout, mais il n'y a pas de frontières dans le monde entier. Il n'y a pas de frontières. Et pourquoi on maintient des frontières aujourd'hui? Il n'y a pas de frontières. Nous, on veut qu'il n'y ait plus de frontières. Voilà, il faut que tout le monde va là où il veut et quand il veut. Et avec simple passeport, ça suffit pour voyager.
Oui, alors on lance un appel à toutes les associations, structures du FSM qui sont là au Forum Social Mondial Tunisien. Avec une caravane de sans-papiers, une caravane avec la plupart, la totalité des sans-papiers sont des sans-papiers résidents en France. Donc on a décidé de défier les frontières, de venir jusqu'en Tunisie assister à cette manifestation mondiale. Il faut pour cela que la totalité des associations, qu'un maximum d'associations nous soutiennent, se bougent les fesses, signent les pétitions, fassent des manifestations partout dans le monde, partout en Europe. Donc si vous n'étiez pas au courant de cette action aujourd'hui, sachez-le, on a besoin que vous sortiez, que vous criez à votre gouvernement la libre liberté de circulation de tout le monde, des Européens qui existent déjà et surtout des Africains, des Sud-Américains, des Asiatiques qui eux ne l'ont pas. Donc sortez, manifestez, organisez des occupations, faites du bruit partout où vous êtes. Papier d'immigrants a pris l'initiative d'organiser une caravane européenne à destination du Forum Social Mondial. La caravane de sans-papiers est arrivée à Tunis le dimanche 24 mars. La caravane s'est retrouvée bloquée dans le port. Finalement, tout le monde a été embarqué. La délégation a retourné en Italie. Les 14 militants sans-papiers ont des risques d'être placés au centre de détention et expulsés.